Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Alice, retour au pays de la folie, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je vois par en haut ou par en bas? Par ici. Ah ouais, depuis FIFA? Ça longtemps. À un moment donné, j'étais parti sur Mixer, j'étais devenu partenaire. On est rendu au quatrième chapitre sur 5. Donc on avance dans le jeu. Un chapitre peut prendre 3 heures. 3-4 heures par chapitre. Quand on retourne sur ces 6 bois. J'ai acheté FIFA 21 l'année dernière, j'ai joué deux fois, je pense trois fois. Oh, toi. Mange-moi. Mange-les. Ça va grossir. Ah, là ça va être un... Là ça va être un combat égal. Oh, l'écraser. Chip. Putain. Alice, géante, peut attaquer par écrasement ou balayage. A pour frapper, Y pour écraser. Attaque les tours de la reine pour révéler son cœur. Si
Détruis les portes du château qui bloquent la voie. Toujours là, Gwen. Tu vois, qu'est-ce que je ferais de mon pied? J'écraserais comme ça. Je suis les gratitude.
Laisse-nous. Ne t'avance pas. Retourne d'où tu viens. Le champignon va rapetisser. C'est pas le champignon. Ah, c'est la soupe. Okay. Idée comme déterrée, comme découverte, comme devant la reine. Ses mains étaient froides, comme une anguille du fleuve. Et son nom est laid, Bambi. S'il veut réussir un jour, il ferait mieux d'avoir la main plus douce. On est encore dans le chapitre 4. J'haïs ça, des affaires de même. Allez, dans le vagin.
Ça, c'est Gwen avec un pénis d'un homme, ça. Elle l'arrache. À moi, Cratch. Cesse de me surprendre. Allez. Tout est soumis aux saisons, Alice. Les fleurs éclosent, puis se fanent. Les souvenirs aussi mènent leur vie. Il faut éliminer ce qui nous blesse.
On peut avancer au ralenti, tiens. La voilà, Gwen. C'est bien jeune. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. Tu l'as pris toute ta tête. C'est ce que le docteur dit, en effet. Tu dis ne pas savoir, mais tu ne fais qu'ignorer. Tu as déterré tous tes souvenirs. Que vas-tu en faire alors? Tu m'as écarté du pouvoir que j'avais sur nous. Sans trembler. Mais tu as autorisé quelqu'un d'autre à me succéder. Reprenez vos tentacules. Tu préfères le soufre brûlant et malodorant comme un enfer souffreteux, déraisonnable, sans pitié ni merci. Je ne le crois pas. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Le bon Bix croyait en votre aide. Et je crois qu'il me faut bien plus que ce que tu m'offres jusqu'à présent. Dans ce cas, nous mourrons tous. Tu mourras. Quant à moi, je survivrai ici. Mais toi, tu es fini. La destruction accomplit son œuvre. Et tu le sais, ce train tente d'effacer toute trace de ton passé, en particulier l'incendie. Qui voudrait cela? À qui profite ta démence? Alors le pays des merveilles disparaît avec mon esprit? C'est ça. Et je l'ai mise en marche. Je peux l'arrêter. Je dois le faire. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas tué ma famille. Je vais bien. Je suis innocente. Je suis en paix. En paix avec moi-même. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Le train doit être stoppé. Mais ce n'est pas tout. Son trajet cache une tragédie. La vérité que tu cherches se dérobe, car tu ne regardes pas ce qui t'entoure. Il n'y a pas de logique possible dans cette folie. Mon avis en tant que docteur est que la démence peut être soignée, mais peut-être pas cette fois. L'autorité doit être observée, voire imposée si besoin. Un mal pour un bien, c'est mon avis et c'est ainsi. Folle comme un chapelier, oh la pauvre. Le pire est fait, c'est fini, terminé. Oublie tout, oublie Alice, c'est terminé. Oublie tout. Tu mélanges la réalité et l'illusion. Ne sais-tu pas d'où tu viens? Un éléphant n'oublie jamais où il a mis sa trompe. Quand tu voyages, prends une petite valise. Pas plus grosse que ta tête. Je me trompe peut-être, votre grâce, mais j'en doute. Tu reprends un chemin glissant. Ne t'éloigne pas en trop. En effet, docteur. Bonne question. Oh oui. Et je veux dire, il fait très chaud ici. Je voulais dire, très flou. Et elle n'aide pas. Oh non! Pas du tout! C'est une humiliation. J'ai approuvé ta sortie, mais ton retour est très fâcheux. Ma réputation est ruinée. Les gens parlent, Alice. Comme un vieux chien. J'ai enterré l'os. Le sais-tu? La loyauté. Ne jamais s'enfuir de sa maison. Reste, Alice, reste. C'est le début du chapitre 5. Ce serait pas... comment qu'elle s'appelle? De chez les fous? Ouais. C'est Alice, la plus précieuse des folles. Les instruments sont monstrueux. Mais un trou dans la tête libère les mauvaises pensées. Juste ce qu'il faut pour un tel cerveau. Bon, pour les crises aussi. Il faut être aussi malade que ceux après qui on râle. Et je voulais pas voir ça.
certains états mentaux exigent la pratique de la saignée, le docteur ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous. Mais je suis au bout du rouleau, et ces sangsues ont soif. 13 à la douzaine, infirmière. Laissez-moi les poser. Non, moi, pour que ça fasse mal. Je sais. Dans quel sens faut-il s'y prendre? J'allais dire que... Un plateau à thé. Laisse-moi, si je ne peux. Tu vas au petit coin? À rendre fou. Tu l'es, et moi, que suis-je? Je te donnerai... Un cadeau? C'est trop. J'ai rien pour toi. Je m'en remets à votre énorme popotin, votre majesté. Juste une charrue, un chariot, le chat, un félin filou. Un chat? Où ça? Y a un renard dans le poulailler? Démon rusé. Il est sorti du poulailler, hein? Allez, Alice. Me doit-on moins de respect et d'obéissance qu'à la reine? Serait-ce trop demandé? Je veux la même chose qu'elle. Mets-toi bien ça dans la tête. Ne pense plus à ses tentacules. Le train est bien plus confortable. C'est ça... Ou un retour à Rutledge. Jamais un mot gentil ou un remerciement pour mes services. N'ai-je pas droit à mieux que ça? Ce que je dis, c'est que vous ne devriez pas cracher sur ce que je vous ai donné. Je vous ai fait sortir de l'asile. Mais maintenant, c'est vous qui choisissez d'y retourner. Je l'ai dit à ta mère. Tu es une enfant têtue qui se renferme dans son monde. Grandir, c'est quitter le monde merveilleux. Le monde réel n'est pas aussi fantastique. Il faut que tu grandisses. Ou as-tu encore besoin de soins? Vous avez l'air bien, mais les apparences sont trompeuses. Je sais que vous êtes instable et violente. Je ne suis pas surpris de voir que vous êtes à nouveau internée dans cet asile. Un long séjour sous surveillance vous fera du bien. Serait-ce trop demander? Je veux la même chose qu'elle. Souffres-tu? Les supplices de la reine ne sont qu'un souvenir. Elle n'a plus d'emprise sur toi, n'est-ce pas? Nos ennemis changent et un nouveau mal a surgi. La cruauté de ce démon a détrôné celle de la reine. Non, c'était tout pour l'aventure Alice. Retour au pays de la folie, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!